Allez, c'est parti. Très belle carte. Nous avons le qui va mener l'attaque et la pu défendre. Position d'attaque assez osée, hein, une dive avec un Doomfist et une Moira notamment. Ce qu'on voit assez rarement dans les matchs amicaux. C'est bien, ils sont là pour tester des trucs. Ah, peut-être que c'est quelque chose qu'ils ont mis en place depuis longtemps. Peut-être. Peut-être bien. Il me semble avoir vu un Doomfist hier soir sur Oasis, donc c'est vrai. C'est peut-être un pic qui ressort parfois. Prend les hauteurs sans plus tarder. Le Genji qui harasse immédiatement. Oh, l'anti-lit de Alana qui fait cette très très beaucoup d'effets. En français c'est mieux. Ah oui, là le anti-lit de Alana qui a vraiment permis de prendre des pics. J'ai une ulti côté pur, le Macri notamment. Qui la claque, il claque son ulti, fait le moins 1 tuant le Doomfist, sort le mecha, le Genji. La Baby Diva sur le point. Encore un teamfight de gagné pour l'équipe défensive. Un très bon shoot hein, du McCree. Vraiment très peu de balles ratées et des balles vraiment pas loin du headshot. On sent que ça cherche à proc le critique. Trois ultis côté défensive, 4 ultis. On engage le fight avec une coalescence. Une blade qui est gâchée. L'ulti de la diva en désespoir qui ne fonctionnera pas. Hein. Ces ultis souvent gâchés. La Moira qui tente une fuite. Va se faire désynchroniser par son équipe. Très important. Essaye de passer par le côté. Ouh, joli punch du Doomfist qui élimine la Ana. L'ulti qui permet de pick le Macri. Ah, ça sent mauvais pour. Ouh là là. Premier point capturé pour la reroll. Oh là là, magnifique KD.
tranche dans tous les sens. Zurek a fait le taf. Il reste que le Reinhardt. Une raise pas forcément utile à mon avis. Très très lourde attaque qui temporise beaucoup sur le terrain, ça prend des pics, ça charge les ultis. Un Zariaton côté Rewall qui va peut-être se faire lâcher. Fight des plus tendus pour ce deuxième point. Il y a Pure qui n'arrive pas à prendre des pics décidément. La lame du Genji. Et non. Première manche pour Rewall, les deux points sont capturés et il reste 2 minutes. J'étais tellement sur le cul que j'arrivais même plus à parler. Ah, c'est-à-dire que le teamfight était juste impressionnant à la fin. C'était... Putain, j'avais l'air devant Dragon. Vraiment la Rewall qui donne cette impression de un gros pack de joueurs qui vraiment attaque à 6, qui s'attend. Ouais, ils sont bien regroupés, ouais. Comme tu disais, ça se voit que tu de jouer ensemble, quoi. Il n'y en a pas un qui part de son côté faire son quoi. Ah ouais, tout est coordonné, vraiment, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Je pense que la communication doit être du même effet. Je pense qu'ils sont fiers de leur performance. Ah, ils peuvent, parce que les purs c'est pas n'importe qui non plus. Ils sont pas faciles. Ah, les purs c'est pas n'importe qui, hein. Ils ont des très très bons joueurs hein, chez eux. Ils ont pu se démarquer de leur précédent match amico. Ah, par contre, un Torbjörn d'attaque. C'est sûrement du troll, hein. Ça va peut-être. Pour détendre l'atmosphère. Ouais, il va changer. Après, j'ai déjà vu un tourbillon d'attaque sur Anubis. Et il aurait mieux fait de switch. Ça m'étonne pas. Ça part sur un Winston. C'est quand même mieux. Une compo dive de leur côté aussi. Que dit nous avons du Doomfist, une Tracer. Team Curve qui prend un peu moins les hauteurs, décidément. Winston qui fait un peu sa vie en solo. Qui l'écoutera cher. Le Genji qui tente tout pour sauver sa vie. Et ça fonctionne, il parvient à s'échapper. Ah, et voilà mon collègue Caster qui rejoint. Bonsoir tout le monde. Ici, bonsoir. Caster d'un soir, Monsieur Bruce.
Putain, vite immédiatement rejoindre cette partie qui est d'une grande folie. Bien sûr. Nous sommes sur un Anubis et la Real Wall a pris les 2 points alors qu'il reste encore 2 minutes. Eh ben, j'attends avec impatience, hein, monsieur Renassi. C'est marrant, il y a pur, je trouve, qui font des attaques vraiment plus désordonnées par rapport à la Rewall. Ça part de tous les côtés. Mais ça a l'air de faire son taf quand même. Moins 2 pour l'ulti de la diva. Ce n'est pas un ulti piqué. Premier point capturé. Il leur laissera 6 minutes ou un peu moins. Curé. Par avec 2 ultis de chaque côté. La diva qui va lancer sa bombe. Et oui. Ça pique la range, un très bon pic. Oh, la roue du chacal qui fait un pic aussi. Bru, est-ce que tu es dans la partie? Je ne peux pas aller dans la partie, donc je vais aller sur le Twitch de Timo parce que la escouade est complète, il n'y a pas assez de spectateurs. Très bien, seulement tu auras un décalage. Ah oui. Du coup, on vendra la prochaine partie. Oui, je vais te laisser tout seul. Est-ce qu'on t'invite pour celle-ci? Très bien. Je t'envoie un message. Oui, après à la prochaine, je vais pas. Attaque contrée. Les ultis sont claqués dans tous les sens, ça prend des pics, ça fait des frags, ça cape un petit peu, ça dispute, ça conteste. Je regarde le vide depuis avant. Et... le point va être lentement capé. Ça y est. Oh, c'est disputé au dernier instant. T'as tant de gratouiller, de gagner du temps. Et l'ange qui est sous pression par le Genji. La lame, la blade. La lame de l'Oni. Des piques. Et ça conteste encore. Et voilà. Nous avons 4 minutes pour la pure. Et 2 minutes pour la Rewolf. Attaque tonnerre derrière, des attaques dans tous les sens. Il me semble un choix surprenant de la part de. De pur, il n'y a pas pur Vald quand même. Je trouve ça assez choquant. Mais il était dans les titulaires et puis un changement de dernière minute a fait que Ignis a pris la place de Vald. Nous avons évidemment Infuse, hein, la hanche titulaire de pur. Propose quelques instants sur sa caméra. Merci. On voit qui? Cela sera coupé au montage, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. J'envoie un fuse. Oui. Le message est envoyé, on remarque qu'il n'y a aucune faute de grammaire, de conjugaison, d'orthographe. C'est un message parfait, 10 sur 10. Et on... C'est parfait, ça. Ouh là là, ça attaque.
Airwall qui n'a pas perdu son temps. Une pharmacie de défense, on dirait. Si c'est bien ce que je vois, oui, c'est une pharmacie de défense. Intéressant sur Anubis. Intéressant. Ou la Ange qui prend des risques, mais qui survit. Intéressant. Prêtez le joli body block de la part du Reinhardt. Premier point qui va sûrement être capé. Et oui, premier point capé en prolongation. Essayez de te réinviter quand même, on sait jamais, si on a pas entendu. Ça charge directement dans le point, ça tente que la boule de neige, la snowball, dans la langue anglaise. D'accord, ça ne marche pas. Bah la prochaine, ne t'inquiète pas mon cher compère. Oh, et ça capte le second point, un tiers. Ah là là. À quelques pourcents du second tiers, le second tiers est capé. La Ange qui meurt. Quelques points, le capé entièrement. Mon dieu, c'est un match de folie. Ça part tellement dans tous les sens. Et ça fonctionne, deuxième point capé en prolongation, c'est terrible. D'où Jésus. Jésus is Lord. C'est intense. Mais quand même, faut remarquer qu'il y a eu un Doomfist en attaque, alors ça c'est pas très commun. Hein. Exactement, c'est, je me suis permis d'effectuer ce commentaire hein. Dès que j'ai vu Doomfist, il y a un petit perso un peu exotique qui aura su prendre des pics. Hein. Mais ouais. Et ouais. C'est sûr un petit peu le Winston pour voir ce qu'il fait. Le Winston de gars pur. 5, 4, 3, 2, 1. Les attaquants. Défendez l'objectif A. Oh, le Winston qui a failli prendre une raclée immédiate. Le chopper qui ne laisse rien passer.
Première défense en acier de Riwall. Yelmi ne doit pas passer. Une défense triple tank hein, sur ce second point. Cette seconde manche. Oh là là, la bombe qui vole sur l'ange, l'ulti de Gadiva qui n'a rien fait. Marteau du Reynard qui fait des 360. Risser qui se charge comme elle le souhaite. C'est une défense au possible. Oh le KD. Ah ça solo KD, ça veut tenter le cap rapide. Pas qui cap en prolongation. Et c'est capé. Il reste 1 minute 15 pour la pure. Mais le temps est écoulé pour la Riwall. Qui ne dispose de 0,0 seconde pour défendre. Là, c'est une manche pour le match nul. Ah, il y a eu une déconnexion. Une déconnexion au plus pire des moments. Ce sera une défense à 5. Ne sème pas pharmacie pour la Gadiva qui fonce vraiment. Perd son mec en premier, il y a Tracer qui suit qui tombe. Ah ils ont raté de jouer. Ah là la Farakiti vague, c'est pas très propre. Ah, ils auraient dû mettre le jeu en pause en attendant. Bah oui, mais bon. Les touches n'ont pas été configurées apparemment. Première fois que je vois ça par contre. 12 personnes sur le point qui bougent pas. C'est spécial. Hein. Je crois qu'il y en a un qui va craquer. Ouais.
Que se passe-t-il? Ils attendent la reconnexion, je pense. Mais oui, mais pourquoi faire? Le sixième viendra-t-il sur le point? Y'a pas de quoi. Dégage. J'aperçois les... Qui tuera un innocent en premier? Ah, je penche bien pour la Phara, moi. Moi, je sens la Tracer bien énervée. Le temps est très long, dis donc. Je ne sais pas comment considérer ceci. Est-ce un match nul? Est-ce une blague? Du coup, oui. C'est un match nul. C'est un match nul. La lame qui sort alors qu'il n'a que 50 PV, vraiment couillu. Oh, j'ai jamais vu le bateau. Eh ben, vous avez vu le bateau qui se déplace? Oui, je le vois actuellement. Ça me fait beaucoup penser à cette scène dans Game of Thrones, là, à Meereen. C'est parti, ah, je pense. Je n'en regarde pas. Encore 30 secondes, j'ai eu le temps de visiter encore un peu. Ah non, je ne peux plus, je suis stuck. Nous allons assister à un combat Phara contre Phara. Ça va être compliqué, hein. Surtout que c'est bizarre ça. Ah, il y a Anzo de l'autre côté, je sens que la Phara des Rewall va bien se faire focus. Ah, y'a pas d'Anzo! Non, le Anzo était un troll, naturellement. C'est logique. Naturellement, c'est logique. Allez. Dirige vers le point, calmement, sereinement. La Phara qui arrache immédiatement. Winston de chaque côté, ce sera la guerre des singes. C'est parti, Winston enclenche. Un focus sur la ange. Ça revient sur Winston. Oh, les premiers pics sont en faveur de la Rewall, ça fond sur la Baby Diva. Mais attention, la Phara est tombée. Qui se fait automatiquement. Vas-y. Très très belle visée. Premier team fight en faveur de la Rewall qui cape le point. Merci de ton aide. Parce que des ultis sont à prévoir. Ouh, la lame du Genji adverse. Ah oui, oui, oui. La lame du Genji adverse qui est sur le point de se faire dégainer. C'est la lame de l'Oni. Le méca de Diva, je n'avais pas remarqué. Bien vu, cher collègue. Mais je vous en prie. C'est un focus sur l'ange qui est pris une des plus brutes. Roquette niveau Rewall, c'est un très très haut niveau. Ah, le singe qui se fait terminer. Et Adiva qui se fait éjecter. Le déluge qui se fait déluger. Teamfight remporté pour... Ouh, ça conteste. Et c'est terminé. La Phara qui a réussi à contester dans les airs quand même. Et ouais. Ça exploite. Des ultis sont à prévoir, notamment 4 ultis du côté. 5 ultis. Non. 4. 4 ultis. Non, 4 ultis. Oui, je compte sur mes doigts. Sur ces très beaux. Le faucheur qui va flanquer. Faudrait qu'il fasse très attention au faucheur. Très très bon faucheur. Ah oui. La Red Diva, elle va prendre. Elle a pris. Le Winston, il va prendre. Elle a pris, hein, bah oui. Ouh, la barrage de roquette, mec, il n'a rien fait. Et lancer l'ulti. La Phara qui a pris une roquette. La Phara qui prend. Ah, le là, Winston là, qui prend. La Ange était sur Valkyrie.
Ange qui reste. Ah, une bombe de diva qui arrive. Et qui est ratée. Et après le mecha diva. Oui. Un petit peu le déluge. Oh, le déluge. Le Winston qui nous a sauté dessus pour la contrer, c'était pas mal. Ah oui, le beau body block. Hein. C'était bien pensé. La lame de Rooney qui pique. La Ange qui parvient à tenir ses alliés. C'est terrible. La Ange qui arrive à faire une raise. Oh là 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 là. Ah, y'a Valkyrie qui sort. C'est parti, une raise. Une raise du faucheur qui pourrait bien et changer la valeur de ce niveau pur. Le Genji a changé un Macri. Le Genji a changé un Macri afin de contrer cette fin Macri un peu trop free à son goût. Et le contre qui Macri. La bombe de la diva qui fait encore une mouche. Ou non. C'est une pharmacie de qualité que nous avons là. Et il va, je pense qu'il va, y avoir un mur du son pour commencer le team fight. Je pense même que le barrage sera déployé durant le team fight. Mais on ne peut prévoir ce qui va se passer. Ça risque d'être un team fight de folie. Le faucheur qui tombe en premier. Et le mur du son. Ça reste Gafara. La Ange, elle a sauté. La Ange, Et elle meurt sous les coups de Gafara. Le faucheur qui revient à pied pour tenter une éclosion. Une éclosion qui pourrait changer le cours du combat si elle est bien préparée. Il est tout seul, c'est très très compliqué. Et personne ne pourra toucher le point, donc c'est ça fait 1-0. Premier point pour la pure. 100 à 99, enfin néanmoins très très serré. Tout comme Anubis, très très serré aussi. Ah bah ça fait match nul, de quoi je parle. Bah... Match nul, oui et non, à la fin, une déco. Bon, on va dire un match nul, mais ils déco. Ont pas cap. Ils ont pas cap. Ah, ils n'ont pas cap, mais pas cap. À cause d'une déco. Ils ont après, s'ils s'arrangent entre eux en disant que blablabla, bla bla, oui, nanana. Voilà. Deuxième point sur Eglios. Un chopper, évidemment, hein, pour. Et là, un triple tank. Un triple tank. Un triple tank côté une compo voilà. Très appréciée des Rival. La triple tank. Très très appréciée, hein, qui porte ses fruits. Qui porte ses fruits littéralement. Avocat. Le Reinhardt qui prend deux piques, deux très bons piques. Un troisième. Et ça se fait boop. Comme ça. Ah, le Reinhardt qui bug, ça c'est pas mal. Val qui a déjà son ulti dans quelques. Ah non, c'est. Ah non, ça on ne permettrait pas ce genre de geste. Sauf quand on gagne. Mais comme nous sommes casteurs. Val qui a déjà son ulti, comme nous sommes casteurs, nous ne sommes ni vainqueurs ni défaitistes. Nous n'approuvons pas. Où va être à. Il y a Val qui va tenter un petit bag, peut-être pour l'ulti, peut-être pour rien du tout vu qu'il y a beaucoup de pics. Si l'ulti quand même. J'ai crié fort. Et le déluge. Excusez-moi, cher voisin. Qui prend 3 pics. Oh là là, Val et infuse. Pharmacie de qualité Schwarzkopf. La qualité allemande, Dutch qualité. Ya. Je propose un petit moment sur ces deux joueurs exceptionnels qui nous font partager un grand moment. Oh le KD qui fait plaisir. Ça c'est un très beau KD. La Ange qui ult. Très bonne ult de la Ange.
Le Reynard qui arrive à pin. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Farah qui était pourtant en roue libre et qui a quand même réussi à survivre sans la hanche. Là, Farah tire 3 roquettes et elle a son but. Tout simplement parce qu'elle est simplement free. Voilà. Exactement. Tous les teamfights, elle a son but. C'est une, c'est une pharmacie très efficace. De qualité. Voilà. De qualité. Un point largement dominé. Hein. Pharmacie oui. Qui est un très très bon moyen de posséder ce point, vraiment. Vraiment. Et la fin qui arrive à prendre le Macri quand même. Quand même. Il y a Diva qui récupère son mecha comme là, elle le souhaite. La hanche qui tient, la hanche qui tient sur le point. Mmh. Oh, le Macri le fait. Le Macri, oh là là, quel est ce retournement de situation. Peut-être la Farah. Macri qui aurait tempo. Peut-être dû la pousser un peu tempo. Plus. La Farah qui tente pas, mais que fait le Macri. Ah. Parfait. Ils ont réussi. Oh, oh, ça tue la pharmacie. Ça tue la pharmacie. Je déborde. Est-ce que je fais des échos? Non, vous ne faites pas d'échos, monsieur. Parce que j'ai entendu exactement ce que je viens de dire. Parce que c'est moi qui l'a dit. Très bien. Nous sommes connectés. Nous sommes casseurs. Oh, alors le Macri qui a fait une petite boulette. Moi, ce que j'aimerais bien voir de la part du Macri, c'est une grenade au-dessus du bouclier et un cadet. Ça, ce serait très très beau ça. Ouh. Ce serait très très beau, ce serait vraiment très très timé. Oh, le cadet. Ça se fait boum ça. Oh, le cadet du désespoir. Ah, le Lucio qui arrive à tempo. Et le Lucio qui va se faire prendre très certainement. Et oui. Tellement puissant ce LG. Et la Farah qui fait un duc. Facile. Normal. Voilà. Voilà. La hanche qui vient se mettre dans le canon. Oh là là, les ultis. Et la fin qui s'est promené tout le deuxième point. Merci à tous mes fans. Exactement, le deuxième point qui était clairement en faveur de la pure. Ce qui fait 1 à 0 pour la pure. Nous partons encore sur un troll, Hanzo. Ah mais ça troll beaucoup, tu sais, au début de partie, oui. Hein, quand même, tu ça sais. Ça troll, ça t-bag, bravo. Souvent des double fist. Oui, tout à fait. Beaucoup, beaucoup de choses hein, qui sont regrettées. Parce que Azura, c'est très bien joué en zone. D'accord. Pas d'épaisse du coup, côté... côté plus dur. Non, je ne pense pas. La Sombra va t'expliquer. La Sombra va très certainement switcher. Je pense qu'une compo 3 DPS pourrait être tentée. Cependant, je pense pas que le nain restera longtemps. Une défense des plus classiques en 2-2-2. Un bon nain d'attaque, c'est parfait. Un bon nain d'attaque. Un bon nain d'attaque. Qui ferait un bon café d'attaque serait, oui. Le piège de chacal qui se voit. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le premier zen de Riwell qui sort. Effectivement, c'est sûrement le premier zen qui sort.
Je n'en ai pas vu. Voyons voir s'il y a de la Discord dans le sac. En tout cas, Hollywood. Et oui, la Sombra a été Switch. Hein. La Sombra a été Switch. Oh, l'Ando qui prend très très cher. Le Macri qui a du shoot. Et qui ne nous le cache pas. Le Chacal qui fait de son mieux. Le Chacal qui n'a déjà plus de vie. Hein. Le Reinhardt qui tombe. Oh, le Chacal qui pique un peu. Oh là là. Un Chacal vraiment sur cette carte, ça fait très très souvent un café formidable. Ah oui, un café que nos grands, que seuls nos grands-mères connaissent la recette. Bien sûr. Les grands-mères. Ouh, il esquive le dragon avec sa mine, mais quel Chacal plein de ressources. Alors qu'il a bientôt sa bombe, ce serait triste qu'il meurt maintenant, il y aura 7 PV, Val qui le pourra jusqu'à sa mort. La range qui est tombée directement avec l'ulti du Hanzo. Très compliqué de gagner une teamfight sans ange. Oh là là, le Macri qui cède à la pression. Ouf, il y a les flèches qui le Hanzo qui prend les hauteurs. Il a raison. Et qui ira le déloger, hein, sûrement pas le Macri qui a l'air occupé en bas. Qui va monter? Qui montera les escaliers? Ah, perse. C'est le Chacal qui fonce. Le Chacal qui va essayer de prendre la range. Peut-être, non. Ah, il aurait dû prendre la range. Et il a utilisé tout son carquois de mine. Oh, le cadet qui part. Et le Renard aussi. Ouh, le cadet. Ah, le Chacal qui tente de viser le Hanzo. Mais malheureusement un peu trop mobile pour lui. Le pneu qui va sûrement partir bientôt. Oh, le pneu qui prend son envol. Ouh, très beau pneu. Encore là, et qui parvient à s'enfuir, c'est un miracle! Nom de Zeus, que s'est-il passé? Pour l'instant, la ange de Purne n'est pas morte. Une seule fois. Elle n'est pas morte non plus dans Elle Ilios. Elle n'est pas morte. Le second point en tout cas. La bombe de la Diva qui pique! Oh, 3 PV pour le Macri. 3 PV pour le Macri, tu ferais bien de reculer. Et ouh, voilà. La frappe de feu qui prend le Macri. Les packs de soins sont tellement rarement utilisés. C'est dommage, c'est triste. C'est pour ça qu'il faut réfléchir à la Sombra des fois en défense. Parce que si la hanche tombe en premier, ce qui est très souvent le cas, les packs de Sombra sont totalement OP. C'est vrai. On devrait traîner un peu plus son bras, t'as raison. Franchement, le tracking de son bras. Puis son bras. Ah, la bombe de la Diva qui s'envoie là, Reinhardt. Et qui tue le Macri dès qu'il revient. La transe qui est un peu mal placée, je trouve. Ah, on peut dire que c'est le premier zen de la Rewall. Hein. Et on a un Genji au top. Ah, qui descend pour essayer de prendre. Peut-être une Blade. Ou la Blade. Est-ce qu'elle va. Non. 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 Le Rodog a dit non, tout simplement. Tout simplement, c'est un refus catégorique. En tout cas, voir des matchs de telle qualité me donne une grande envie de jouer à Overwatch Origins Edition. Pas toi, Bru. Tout à fait. Et en ce moment, il ne coûte que 30 euros. C'est donné. 30 euros sur le Vent Store. Ne perdez pas votre temps. Utilisez le code promo Venacid. Le code promo Venacid / je suis le meilleur. Don't fix it.
Ah, Doomfist qui sort d'ailleurs en parlant du loup et qui fait son mieux. C'est dommage. Il met KO sur Reinhardt. Parce qu'ils avaient réussi à prendre la hanche de pure pour la première fois. Ah, il rate la Moira, il ne parvient pas à lui mettre le coup de grâce. Oh non, la Moira qui survient encore. En tout cas, l'ulti du Doomfist qui s'est très très vite chargé. C'est indéniable. Vraiment quelques coups de poing et on en parle plus. Et la blague qui est sortie. Oh, la lame du Genji. Et la blague de nouveau. Là, c'est une très bonne qui a raté. Mais il a réussi à prendre la hanche sous transe. Ah, le DPS de Val était si intense que et même la transcendance n'a pas réussi à le protéger. Je ne vois que ça comme explication. Le point du Doomfist qui va chercher Genji. L'ulti du Doomfist. Il n'a plus de dash. Il meurt avec très belle ulti. Très très beau ulti. Le coup de poing qui se prépare. Bam. Je fais les bruitages. Pour le Doomfist qui fait un café formidable en cette défense de Hollywood sur le troisième point. Un Doomfist qui ne grille pas trop. Oh, aussi en fait. Il revient très très vite. À la bombe de la diva et le Doomfist n'a plus d'escape. Il a du mal à cibler vraiment les cibles ayant 200 PV avec son coup de poing, c'est dommage. Il pourrait mettre KO un Zenyatta ou un Macri immédiatement. Ignis qui a vraiment un Hanzo de haute voltage. Ah oui, bien sûr. Regardons un peu comment se débrouille le Zenyatta. Il charge ses boulettes sans cesse. Oh, le dragon qui coince l'équipe ennemie. Très très bien vu, car l'ulti peut aussi servir à séparer deux équipes. Enfin, une équipe en deux. Je ne sais pas si tu as vu, Ven, mais il y a eu le combo Diva Reinhardt. Je n'ai pas vu, excuse-moi, je n'ai pas une telle vision du jeu. Vraiment. Très belle défense. Et a-t-il été... Oh oui, donc fils qui fait un bon café. Café monumental. Café de Colombie et Paraguay en même temps. Au grain pur. Alors Renard qui revient à la charge pour disputer. Oh, le coup de poing qui passe à travers. Lanzo pris au piège. La diva qui termine et la Ange qui fait de son mieux. Et très très belle défense de la part de Reboul. Ils n'ont pas réussi à capter le troisième point. Magnifique, vraiment un match de qualité. Mais vont-ils faire mieux? Telle est la question. Mais vont-ils faire mieux? Vont-ils réussir à prendre le premier point? Déjà, premier obstacle, premier point, souvent très dur à cap, même en T6. Le ciel bleu. Et le Doomfist est toujours là. Le Doomfist est toujours là. Le Doomfist est toujours là. Vont-ils tenter la fatale de défense? S'ils tentent la fatale de défense, il n'y a personne pour aller la chercher. Caster professionnel. C'est vrai. Professionnel. Caster et faucheur professionnel parfois. Zenyatta en défense du côté de pur. Non, je dis de la merde. Oui, non de pur, oui. Oui, de pur en défense. Pur est en défense. Oui. Pur est en défense, exactement. Donc apparemment, Zenyatta serait un pic de choix sur la défense de ce point. Ce Discord pourrait permettre de grands ravages. Bien sûr.
Zenyatta très brésilien, des joueurs professionnels. Eh oui, Zenyatta très brésilien. Mais je n'ai pas vu Kupo Dive encore. Ah, c'était sur Anubis. C'était sur Anubis, autant pour moi. Anubis, c'était Winston Diva dans tout Kessos. Hein. Ah, ils passent tous par le bâtiment à droite. Zenyatta qui tire dans le mur, c'est dommage. La diva qui était super greedy, la diva qui va se faire punir. Oh là 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 là. La diva qui ne pourra pas se faire raise. Zenyatta qui est ouvert au faucheur. Oh, Zenyatta qui termine. Et Doomfist qui fait de son mieux pour protéger la survie des siens. Et c'est gagné, le point est capturé. Et le Doomfist qui va chercher. Ah, très belle escape. Un enchaînement de compétences qui saura lui. Oh, la très sûr qui conteste. Ah, je pense que c'est un contest inutile, oui, c'était sûr. Waouh! Tant de pique. Et un team. Tant d'ulti nourri. Ah oui. Et donc, Doomfist qui prend l'auteur, qui va chercher le Reinhardt, qui va mettre la pression à le Doomfist, qui fait des trucs. Ah, le Doomfist qui est low. Oh, le marteau pilon qui ne sait pas. Le très beau cadet. Oh, deux frags avec cette charge du Reinhardt qui était un monstre des abysses, veut punir ses adversaires. Et les faucheurs de Et rien n'arrête sa charge inébranlable. Mais totalement useless. Nous avons 3 ultis, bientôt 4 côté Rewall. Nazariaton fait beaucoup de bien à ce Doomfist. Puni immédiatement. Elle a été punie Balou par une qui avance énormément. Ça sent le Zariaton Doomfist très très bientôt. Oh là là. 3 ultis pour ce team fight. 3 ultis et pas un seul pic. Ouais, mal vu. Ouais, mal vu. Oh là là. Bru, que dire de ce team fight? Je suis perdu, je suis totalement perdu. Je suis perdu. Et qui la droite et qui la gauche? Je comprends rien, Kubo, aidez-nous par pitié, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Non, je suis dans le même état, c'est que il y a beaucoup d'ultis mais il n'y a pas de kills avec. C'est une très belle défense. Il n'y a que des kills à part. Totalement. En dehors des ultis. Voilà. Mon cerveau était comme ça pendant 13 secondes. Mon cerveau était comme ça. Oh, il y a tant d'ultis. Ah, le faucheur qui flanque! Et le faucheur, ah oui, bien sûr. 3 pics! Les 2 tanks sont morts. Il n'y a plus de front. Le Doomfist qui revient à la vie pour prendre le Lucio. Ensemble, danse pour counter le graviton. Voilà, ils vont passer. Le Doomfist qui passe par la gauche pour prendre bientôt. La vie. Alors. Pour attirer l'attention, oulala, qui frappe dans le mur. La diva qui revient, qui perd son mecha immédiatement. Oh, très très joli écouteur de la charge du Reinhardt, tu percutes. Je m'y attendais tellement pas. Je pensais que ses jours étaient comptés. Et le faucheur qui arrive. Oh oui! Mais alors, cette attaque. Le Doomfist sur Hollywood. Le Doomfist sur Hollywood est un très très bon pic. Apparemment, il s'accompagne bien du Zenyatta. Comment ça, il est pas mort, là?
Les bugs n'ont pas été corrigés sur Doomfist. Les bugs ont été corrigés, mais il y a toujours le glissement. Très bien, mais je sais pas si t'as vu, mais la Baby Diva était vraiment dos au mur. Et elle est... Ah non, je l'ai pas volée. T'as pas vu? Bah, non, tu verras dans la vidéo, peut-être. Parce que là, c'était vraiment insolent comme elle a survécu. La frappe météore, accompagnée du Zariaton, il devrait la mettre dans le Zariaton, il va plutôt se faire l'ange qui use pour survivre lui aussi. Et la bombe de la diva qui fera sûrement rien du tout. Ah si, le Zenyatta qui n'a pas pu s'échapper. Le Doomfist et le Zenyatta se fait automatiquement res. L'ulti du Chacal qui vient, qui fait 2 qui. On a moins 2. Il a encore 2 minutes pour faire 10 mètres. Le challenge est vraiment puissant. L'ange qui se fait cramer par l'Azaria. L'Azaria qui est vraiment très très chargé. Oh, la trans du Zenyatta, tout est là. Toutes les victoires sont entre leurs mains. L'Azaria qui aura bientôt un Zariaton. Les pics sont pris. Le convoi avance. Le convoi avance. Ça conteste. Il en reste très dur. 1m41. Le Zariaton qui va partir. C'est certainement... Oh, le Zariaton qui est dans les choux. Mais c'est une victoire pour Rewall. Incroyable. Un partout. Très belle victoire avec beaucoup de teamfights très confus. Effectivement. Bien sûr, c'est totalement mérité. Même si, si Pure a perdu, c'est mérité. Très très bon endo. Allez, tu retournes au spawn. Allez, Ange. Oui, bah oui, Ange. Tu es bête. Ouh, le téléphone qui a pris un pharmacie. Un salto arrière. Oui, Ben. Oh, une fatale. Oui. Ah non. Oh non. Je suis très triste. Espoir, tes rêves. Bru, triste. Mes rêves, mes espoirs, et surtout néant. La vie, car Fatal aurait enlevé la vie. Regardons les contours de Gibraltar. C'est une plage, hein, semblable à Ilios, avec un paquebot comme Ilios, et un phare comme Ilios. Je tiens à te contredire, parce que sur Ilios, c'est un bateau de croisière, et ici, c'est un paquebot. Oui, seulement regarde à l'est, il y a notre paquebot au loin. Pourrait-on dire que c'est un paquebot de marchandises ou un paquebot de croisière, car des jet skis affluent et vont et viennent. Ça te bah, le cul, hein. Non, vous savez, vous mettez vos réponses en commentaire, parce que ça va les... Ou sur le live Twitch, bien sûr, allez-y, ne vous écoutez. Dans le chat, allez-y le chat. Allez-y, hein. Spammez le chat, hein. Allez-y. Hein. Comme ça, Kimo va vous faire plaisir en vous répondant. Ah, déjà que j'ai du mal à suivre le match, si en plus je dois répondre aux commentaires en même temps, ça va être compliqué. Hein. Le Macri qui se fait prendre directement, qui a réussi à se faire raise. C'est bien. Je pense que le singe va être switch très très vite. Parce qu'il a toujours, et encore, ce satané faucheur. Voilà, range DPS. Et encore, ce satané faucheur. J'entends ma voix à travers un micro, c'est très perturbant. Enfin, je n'aime pas ma voix sous vidéo. Comme toute personne normale sur Terre. La diva qui monte sur le convoi. La diva qui tempo. Ah. Et le Zen qui se fait punir.
Dylan se fait totalement punir. Et Faucheur qui est tout seul au top. Contre la diva. Et la diva qui fait tomber Faucheur. Une attaque assez libre pour ce début. Oh oui, ils sont vraiment très gris en face. Hein. Ça empale la diva. Ça va peut-être tenter un KD, le KD est free là. Oui, le KD est en bref, le joueur de Reinhardt, je l'avais vu venir. Je tiens à le signaler, un très bon joueur de Reinhardt. Très KD aussi. Très bon joueur de Reinhardt, RCP Balou, oui. Et premier team fight remporté par Larry Wolf. Très important. Pour se remettre sur le bon rail. Hein, le cadet qui a remis les idées en place. Le Reinhardt qui a dit non, j'en ai marre, arrêtez d'avancer. Ajoute ça sur même. Ah, le Doomfist de défense, je l'avais pas vu celui-là. Oh, le singe énervé. Oui, jolie charge. Ah, le singe, il n'a pas pu s'enfuir. J'ai vraiment mal au ventre, je suis désolé. Et le Zen qui est free au top, qui prend quelques kills. Oh, la bombe stuck! Ouh là là là. Très belle bombe. Et la Tracer qui a eu deux bombes en 20 secondes, c'est vraiment dingue. Elle colle le Doomfist, elle colle le Reinhardt. Waouh! Elle va chercher la Tracer chez eux. Pure balle. Est-ce qu'on appellerait pas ça un collet serré, Ben? On appelle ça un Zouké, s'il vous plaît. Tout à fait. Oh là là, la Tracer qui est totalement free. La hanche qui tombe côté pur. Regarde l'ulti de la Tracer qui a bientôt son ulti de nouveau. Elle a son ulti, c'est grillé. Oh là là, la Tracer qui est free, mon gars. La Tracer qui arrive à prendre le diva de mecha quand même. Le diva de mecha, oui. Hein. Oui, le diva de mecha, c'est trop intense. Azura qui fait le café encore et toujours. Et le point qui voilà. Ne passe pas, hein. Vraiment la dispute. Il y a toujours quelqu'un pour conteste. Toujours. Et la Tracer qui revient. Exactement, encore pour c'est pour ça qu'il gagne une dispute. Et ça passe. Oui, ça passe. Voilà, je commence à avoir des viewers, moi, de mon côté. C'est très important d'avoir des viewers. Combien de viewers as-tu? Très très important. Eh bien, 3 hein, quand même. Ah oui, 3, c'était waouh. Waouh. On s'approche du Laurence League. Nous n'y sommes plus qu'à deux pas. Et la Tracer qui focus tout le temps le Reinhardt. Le Reinhardt. Watch-il en face, très clairement. La Tracer qui ne s'attarde même pas à prendre un pack de soins alors qu'il était à 1 mètre. Et il a raison. Elle arrive à prendre le même. Où met la Tracer qui tombe. Qui tombe enfin, elle n'était pas morte depuis le deuxième point. Et qui se fait raise instantanément. Elle fixe la hanche. La hanche qui tombe sous ses coups. Stuck. Le chacal maintenant. Ses jours sont en danger, elle vise le Zenyatta. Le Zenyatta qui tombe aussi. Oh là là, ça va marquer. Ça va marquer, oui, la hanche qui revient. Et un ange qui tient le coup, incroyable!
jusqu'à ce que le Chopper revienne en l'orange qui a fait une danse nuptiale pour gagner 8 secondes. Un seul mot. Waouh. C'est très très compliqué de counter la pharmacie quand même, parce qu'il a switch fin à la fin. Très 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 compliqué de counter la pharmacie côté rival. Vont-ils tenter la triple tank? Et il tente la triple tank, mais sans le faucher avec le Doomfist cette fois-ci. Triple tank Doomfist. Ou 4 tanks, parce que Doomfist, après son ult, il a quand même Doomfist a des grosses capacités de tanking exactement. Même pas besoin de mettre son ulti, hein. Ses capacités physiques lui permettent tout simplement de gagner 30 points d'armure pour chaque ennemi touché. Signifie qu'avec son uppercut qui touche deux ennemis, ça fait un total de 57. Et oui. Voilà. Toujours en avance sur l'arithmétique contemporaine, Bru. Bru 1, les maths 12. Ça reprend la même Tracer qu'en attaque, mais en défense. Bien sûr, la Tracer était free, donc pourquoi pas la tenter en défense. Effectivement, vu comme ça. Et il n'y a pas vraiment de counter à Tracer à part le Rodog, mais bon. Le Rodog, je pense qu'il a d'autres chats à côté. Hein. Et la Tracer qui s'est mangé un coup de poing mais n'est pas tombée. Incroyable. Mais bon, après à la fin quand même, le Doomfist a réussi à lui mettre quelques petits shots dans sa petite tête. Oh là, le Doomfist qui s'acharne. Ouh, la Tracer qui tombe sur le Z. Ça va être une défense compliquée, je pense que la bombe va partir. Et évidemment que la bombe part. Ouh là 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 là. Très bon shield. Et ça ne fait rien. Très bon shield du singe. Je vais le répéter car c'est important. Un très bon shield du singe. Doomfist qui a atteint les 300 points de vie. Il va être très très dur à faire tomber. Vraiment, très très, très joli combo. Vraiment. C'est vraiment le café. Oh là là, l'ulti qui part, qui va faire le Macri. Les anges aussi. Oh là là, les déplacements de ce Doomfist qui surpasse l'ange adverse. Je pense qu'il faudrait se poser les bonnes questions côté pur. Qu'est-ce qui va pas? Peut-être triple DPS, triple tank aussi. Comment contrer triple tank, c'est bien ça la question. Un faucheur suffit. Un faucheur ne suffit pas car il y a le counter Doomfist. Oh bah, et la hanche qui nous le reste. Bruno n'avait pas envie de répondre à ça. Bijoux, si nous faisons 9. Bienvenue sur là, ce stream. Premier, teamfight remporté par la pure en défense sur le même point. Pas exactement au même endroit, mais sur le même point.
Oh là là, la Tracer qui arrive à prendre la hanche. Elle va être très très désynchronisée. Tu as fait de ton mieux. Oui. C'est très compliqué de caster et de parler en même temps. Enfin... Celle-là va être coupée au montage s'il te plaît, Kimo, au moins. Je sais pas, j'ai réfléchi et... C'est notre première tu fois. Tu verras bien, tu verras bien. Je vais t'en entraîner, je vais bafouiller. Il va te mettre, il va te mettre une voix bizarre, une voix agagam. Oh, ça charge. Ah non, ça a marché hein. Pas de... Ça a marché, ça a touché la Baby Diva. Et le Reinhardt revient en vie, chose que je fais très rarement. C'est un spectacle. Waouh! La frappe météore qui va sur le Reinhardt. Le cadet du Reinhardt. Oh bon counter cadet, quelle précipitation Reinhardt dans cette attaque. Le cadet du Reinhardt. Oh bon counter cadet. Et là sur le chat il dit qu'est-ce qu'il raconte Bruno. Et là, il prend 3 piques. 3 piques très important car elle est débile quand même. C'est important. Pour l'instant, pure meilleure défense que Curry Wall quand même. Hein. Ils n'ont pas réussi. Oh, encore un petit bug. Voilà. Au bout d'un moment, faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on a le droit de petit bug? Oui ou non? Même en entraînement. Non. Ah, c'est un match amical. Ne nous bassine pas avec de telles absurdités. Écoute, ils ont été suffisamment amicaux pour ne pas attaquer le point d'Anubis alors que Overtoxic était absent. Allez, c'est un triste T-Bug. Non, je suis arrivé à faire une reste dans le dos. Oh, le cadet, le cadet. Oh là 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 là. La tristesse de ce cadet. Il a voulu prendre le ballon qui récupère un cadet. Mais ils étaient déjà tombés. Donc le cadet totalement inutile. Il se retrouve maintenant avec plus aucune ulti pour défendre le dernier push qui sera sûrement décisif. Deux ultis. Et je pense que Doomfist. Deux ultis qui peuvent comboter. Le Doomfist, faut qu'il aille chercher le point. Faut qu'il se dépêche. Ah, il a réussi à toucher le point. Oui, mais trop tard. Waouh. Quel ulti. Est-ce que ça sera suffisant? Il reste que la Tracer pour défendre. La Tracer, ouh. Ça va être très très compliqué hein. Ils sont 5 contre la Tracer. Sont mieux. Oh mon dieu. Et la Tracer qui se sent pas sur Payload. Et ça dispute encore. La Tracer qui aura fait un café incroyable. La Tracer. Et non, ça cap, quel malheur. Oh mon dieu. La Tracer qui aura vraiment fait de son mieux. Mais ce troisième point va être très très compliqué à prendre en 1 minute 30. Très très compliqué. Oui, car la Tracer est quand même vachement freak, d'ailleurs elle a une ulti. En train de poncer constamment le shield du Reinhardt. Encore 60 secondes. Et elle va faire un tour dans le bac, je pense qu'elle va stuck Zenyatta ou la range. La range. Plutôt la range. Oh elle a réussi à stuck la range. Oh là là ce stuck, je n'y crois pas alors qu'elle est en plein vol. Pas de res. Joli rollback. Pas de res pour ce teamfight, il ne sera pas le dernier. Wow. Mais c'est pris le mur, comment est-elle encore en vie?
ça dépasse l'entendement, Bru. As-tu vu la même chose que moi? J'ai vu la même chose que vous. Quelle est l'explication? L'explication est qu'il y a le syndrome de glissement. C'est exactement pareil. Tu regardes beaucoup la tresseur, non, Bru? Pas du tout, je suis en vue libre. D'accord, moi je suis en première personne tout le temps. Oh la stuck! Ah non, ça n'est pas la stuck, le shield. La stuck sur le bouclier. Elle focus maintenant la hanche pour la priver de ce team fight. Et c'est chose faite. Et la hanche qui tombe. Et le Zenyatta. Le Zenyatta. Oh, les deux heals sont que morts. La hanche va réussir à revenir pour ce dernier team fight. Ah, les deux heals sont morts. Hein. Si la hanche vient, elle aura un ult. Ah, il n'y a plus que Val qui conteste, on dirait. Oh là 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 là. Oui, voilà, il faut empêcher. Bon, pitié qu'il revienne. Ah, c'est très bien joué, mais suffisant, oui. Une minute en plus pour chaque équipe. En une minute, le syndrome est très très dur à prendre, mais ils ont quand même réussi à prendre. Très bien joué. Ils n'ont pas abandonné sur le jeu. On relève ton syndrome de glissement. Mais soyez un petit peu indulgents, nos amis qui regardent YouTube et nos amis qui regardent Twitch. C'est notre premier cast, s'il vous plaît. Donc un maximum de 5 viewers sur la chaîne Twist. Twist. Un maximum de dons. Et Pure qui part toujours sur sa tracer. La tracer qui est bien trop importante pour être oh, qui meurt. Et la tracer, d'accord, qui tombe directement. Je ne pense pas qu'elle va se faire. Elle est beaucoup trop derrière. Beaucoup trop raison. Loin. Beaucoup trop loin, oui, bien sûr. Ah, les Zenyatta qui est parti en soldat. Qui devrait vraiment faire attention à ses déplacements. Ce ne serait pas le premier soldat de la partie. Pas vu à Macri, mais J'ai vu un soldat. Oui, j'ai c'est vu le un problème. Soldat, mais chez Rewall. J'ai pas vu de soldat chez Pure. Qui va réussir à faire le premier pic? Et c'est le Zen qui tombe. Plus que un heal. Terrible. Oh là là, le shoot de Asura qui part aux fraises. Et ça passe. Mais n'oublions pas, c'est toujours en prolongation. Car c'est une map escorte et il n'y a pas de temps en plus. Et le Doomfist qui a réussi à toucher les ailes de la hanche, hein. Elle a eu chaud, hein. Elle a eu chaud à ses fesses, la petite ange, hein. Oh. Et c'est gagné. Ils ont oublié le payload. Ils ont oublié le payload. C'est d'une tristesse. Si Benji, tu nous regardes, tu dois crier. Benji, tu dois crier si tu nous regardes, mais je pense pas qu'il nous regarde, donc gros big up à mon poteau Benji.
J'étais très seul à ce moment-là. T'aimes pas finir tes phrases tout seul. Mais on est caster, on est un duo. On est l'un qui est acide. Ven et Monsieur Brut. Je suis Ven acide. Je suis Mac and Love. Je suis McDonald's. Ou une mairie qui a décidé de switch en faucheur. Et une maille et qui pourra counter ce faucheur, je pense. Ouais, nous l'espérons. Tous ceux qui sont pour Rewall, levez la main. Hein. En tout cas, on voit tous vos mains levées là, actuellement. Donc espérons-le. Espérons-le. Syndrome de glissement. Ne fait pas fait. Syndrome de glissement. Allez. En une minute, ils ont quand même réussi à enlever très loin le payload. Ce qu'ils pourront faire mieux en 2 minutes 30. Mais qu'est-ce qu'il prend là, bébé Dylan? Il se fait raise. La Mei qui gêne le Genji. La Mei qui gêne le Genji et le faucheur. Regardons l'efficacité de Mei sur un faucheur. D'accord. Déjà, elle a réussi à prendre un très bon Genji en face. Très bien. La mec qui saute. Oh, joli. C'est un très bon mur. Un petit bonhomme de neige. Ah, la Shadow. La Shadow est forcée. La Shadow est forcée. Et elle gère complètement ce faucheur. Le mur, ce serait bien. Le mur, c'est très bien. Waouh, cette mec qui fait un très bon taf. Qui peut même prendre Gaffara avec beaucoup de chance. Avec une bonne tête. Bien placé. Elle lui a mis deux pics. La Phara se suicide. La Phara s'est suicidée. Elle a dit non, ils sont trop forts pour moi, je me suicide. Elle aurait dit ça en ses dernières paroles, effectivement. Oui, tout à fait. Et Ariwalk est très très bien parti hein, pour défendre. Et en égyptien, deux ultis, bientôt celui de Mei. La Phara qui essaye de prendre la Mei. À la Mei qui a abandonné tout espoir de survivre. Ils auront le temps de revenir avant que le payload revienne. Et à mon avis, ce sera le dernier team fight. Deux ultis pour Rewall pour ce dernier team fight. Oh là là, ça va être compliqué, ils sont moins 3. Un ulti. Parce que le Zen deux ultis, et le temps qu'ils reviennent. Le temps qu'ils reviennent, ça sera très très long. Oui, mais le payload n'aura pas le temps de passer. Ah, mais deux ultis qui vont se charger côté pur. Ah, la transcendance qui arrive. C'est évident. C'est maintenant. La Mei qui va lancer son blizzard. Ça y est, c'est lancé. La double trans. Oh là 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 là. Azura. La Mei qui essaye de focus la Pharah. Azura qui arrive à. Oh là là là. Azura prend deux kills très importants. Faucheur. La Pharah qui tombe. Oh la Hank arrive. Double raid. Le renversement de situation peut-être. Oh, ulti de Gadiva. Le Reinhardt maintenant. Bien joué Reinhardt. Oh quel team fight. Mais. Ça ne va donc jamais s'arrêter. Marteau pion. Oh, le cadet. Le Doomfist qui prend. Et qui survit. La hanche qui tombe. Ce team fight est sans fin. Il faut pas qu'il pique le payload. Il faut pas quitter le payload. 3 pics de prix. 4 pics pour la Rewall. Plus que la Pharah et le Zenyatta. Plus que le Zenyatta. Et... c'est une victoire pour Rewall. C'est une victoire. Donc là actuellement nous pouvons dire 2-1, voilà. 2, 1,5 maintenant. Oh là là la Rewall qui a vaincu le trio Val Infusé Ignis. Val et Ignis.
si vous ne savez pas, ce sont les Grandmasters. Infuse aussi, mec. C'est le top 75 kills. Un soldat déjà. Un piqué exotique pour la pure, hein, qui n'en sort pas très souvent. Un Doomfist encore une fois. Oui, donc pas de gros changements. Oh! Ah! On n'a pas vu le game. C'est voilà. Je ne sais pas si Genji. Non, genre de Genji, donc nous n'en verrons pas. Très bien. En tout cas, à ma connaissance. Non, Ange on va repartir. Zenyatta. Ange Zenyatta. Ange Zenyatta qui a été sorti bon ce soir. Et nous rappelons que les main anges vont se mettre en PLS très bientôt. Effectivement. Moi d'un côté ça m'arrange. Oui, moi ça m'intéresse aussi. Hein. Oui, totalement. On va revoir un peu parce plus les autres joueurs tels que Anna. Anna qu'on voit vraiment pas assez, hein, qu'on a vu sur Anubis et puis c'est tout. Je sais pas si elle a été autre part, mais j'ai vu que sur Anubis aujourd'hui. Ah bah moi je ne l'ai pas vu. Est-ce que ils partent sur un triple souvenir, DPS hein. Ou c'est un troll? Non non, ils partent sur un triple DPS. La pure. Ah là c'est. Ils veulent faire du dégât et vite hein. Ils ont pas le temps. Et ils veulent rentrer dedans. Ouais. C'est qu'il a. Regardez le shield du renard qui a déjà disparu. Genji, faut chercher pas le temps de niaiser. Et Genji qui rentre dedans. Et le Zen qui arrive à prendre le pusher. Très très bien. Oh le soldat qui arrive à se mettre au top. Ouh. Le Macri. Le Macri qui prend le soldat en 3 secondes. Même pas. Urval qui se laisse tuer. Et Ange qui parvient à retourner chez elle, encore une fois. Ven, j'ai une question à propos du Doomfist. Oh, le Zen. Oui. Le Genji qui arrive à prendre le Macri. Les petites piques, ils enlèvent combien? Les petites piques enlèvent 11 par petite pique. Ce qui est fait qu'il lance 6 petites piques, ce qui peut faire 66 de dégâts ou 132 en headshot. Ah oui. Ah oui, 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 ok. Un uppercut fait 50. Ah, c'est dommage, le calé est raté. Oh, la charge aussi, Balou qui perd son sang. Oh, la blade qui prend. Qui prend un tank et les deux piques les plus importants. Zarya reviendra avec son Zaryaton, mais pas immédiatement. Le Renard qui a un très très bon move shield qui peut permet de se protéger du faucheur. Je pense que le mur du son n'était pas pas très bien utilisé. Ouh, le mur du son a été. Le Lucio. Ah là là, oh, retournement du teamfight. Et Zarya qui n'a même pas claqué son Zaryaton, terrible sa défense de points. Là, la pété. Charge évidemment. Voilà. Elle a pété mais pour pas grand chose. Pété seulement pour Genji. Oui. C'est dommage, mais bon. C'est dommage, c'est dommage. Ils auraient pu le garder pour la toute fin, je pense. Le soldat. Renard avance, protège le soldat tes alliés. Qui prend oh non, quelle tristesse. Oh là oh là. Oh non, là mais là quelle là erreur. Et je... Oui, ils vont cap. Ils ne vont pas essayer de compter. Ah oui, ils vont cap. Ça va être très compliqué. Ah, voilà. Perdre le point sur un tel retournement de situation.
Et Azura qui arrive à prendre le Zen. Ah, il se fait raise. Et il se fait raise automatiquement, mais. Zarya qui a eu des problèmes, qui était AFK pendant une demi-seconde, ce qui lui a valu la mort. Oh, joli cutter KD. Et le Doomfist qui plonge. Pour rien. Les joueurs se sont séparés, c'était très très bien vu. Kurval qui ne meurt pas suite à ce coup de poing qui était pas assez droit. Oh, la ligne de mire qui va faire mal. Eh oui, l'ange qui tombe. La bulle était sûrement destinée à l'ange et pas Doomfist. Et le point qui est capé. 3 minutes pour le prochain point. C'est large, ça va. J'ai 40 secondes de retard sur mon stream. C'est important de savoir ça dans la série. Oui. Ah, le faucheur qui va se faire punir, je pense. Ou pas. Si, et oui, c'est... le faucheur qui a bien suivi. Et donc, belle esquive et la frappe de feu. Plus de Doomfist, mais un faucheur. Le faucheur qui le faucheur va qui encore va se une faire fois punir. Se faire punir. Ah non, non, et non, non, non. Le faucheur. Ah, c'est le faucheur qui s'est fait punir. Car il s'est fait participer. KD. KD dans sa race. Il y a un KD à droite, un KD à gauche, et on a tout le temps des KD. Ça surge très très vite, regarde, Dragmir a bientôt son ulti. Ah oui, déjà S73, hein. Ça sent l'ulti. Ah non, pas du tout. Si, l'ulti du faucheur. Et si, c'est l'ulti. Très beau mur du son. Ah oui, qui a protégé toute son équipe. Oh, je pense que c'est un teamfight remporté très facilement. Donc, ouais, premièrement, sur une peau de banane. Terminé. Pratiquement 2 minutes. Hein. On va pas jouer sur pour une seconde. 2 hein. minutes, 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Minutes. Non, allez, 1 minute 59. Bon. Après, il y aura des jaloux. Tu le sais. Au début, on y a cru à la défense de Rivol. Hein. On y a cru. Moi, je pensais qu'ils allaient vraiment pas prendre le point. Hein. Et Venassi qui avait dit le double shield. Et le double shield est là. Eh oui. Non. Nous allons enfin. Enfin avoir une. Voir enfin une... Oh, je me mets sur. Attends, j'essaie de trouver. Alors. Oui, je l'ai. J'ai la Widowmaker. Quel stratège! Quel illustre stratège! Il a failli mettre une tête au soldat! Et là, Widow qui switch. Et c'est le switch! C'est... Très bien! Et Tracer qui re-switch. Par un Junkrat. Le double shield, hein, on l'avait prédit.
Hercule avait prédit. Je n'ai pas comme une équipe. Louanges. Ils sont tes louanges. Et le Junkrat qui préfère rester safe et mettre un piège juste derrière lui. Ouh là là, l'entrave de la Orisa qui fait que le nouveau fils redirige son attaque vers la Tracer. Indirectement, la Orisa a tué sa Tracer. C'était triste. Mais c'est Overwatch. Et c'est punitif. Reroll, déroule, il déroule. Il déroule grave. Le chacal. Je mets une mine à droite, je mets une mine à gauche et je fais un moins 6. Je m'appelle Chacal. Voilà, j'entends des rageux qui a atteint le chat vocal. Non, bah non, pas du tout. Sûrement pas des joueurs de chacal par. Ah non, je suis un joueur de chacal, donc non, ça fait plaisir de voir un très bon chacal. Ah, le coup de poing qui va partir, je sens qu'il va faire mal celui-là. Bam dans la Orisa. Et l'uppercut. Et la frappe météor dans la Orisa. Et encore un coup de poing. Et la Orisa qui ne tombe pas. Waouh. Le chacal qui lance en haut. Qui lance en haut. Mais non, mais non, mais non, c'est trop tard. Ah, c'est trop tard. C'est trop tard. Et la Tracer qui joue. T'es esquivé en tant qu'elle en disant la Tracer qui esquive. Ouais. Oh, le très belle esquive aussi. Merci beaucoup. Je ne le fais jamais assez souvent. Dans ma ligne de mire. Oh, la ligne de mire dans le dos qui tue, de qui mire. Oh là là, qui gride. Il fonce le soldat, mon dieu. Je reste comme un tocard à regarder dans le vide. Ah, ils vont rester sous le pont, enfin sous l'arche je dirais, oui c'est une arche, donc ils vont rester, ouh, Lazare qui tombe, ah ils vont pas réussir à la prendre. Le coup de poing qui part, mais le Doomfist qui tape les murs hein. Le Doomfist qui prend, ouh ils sont 4 dans le cadet. C'est un sérieux. Désolé. Je m'excuse mes chers amis, mais c'est trop intense pour moi. Je n'y arrive plus. Les games d'une plus ulti, c'est trop pour mon cœur. Une ulti pour Infuse, une ulti bientôt pour Val. Bientôt une ulti pour Val. Alors qu'il vient de la claquer. Bon, il a claqué il y a 45 secondes. Hein. Et là, et. Et oh, le Reinhardt qui tombe. Azura a joué un autre personnage que je me souviens plus. Et là, il a pris fin. Azura qui jouait, je ne sais pas. Qui jouait. Qui jouait Tracer. Il jouait Tracer. Tracer, oui, Tracer. Excuse-nous si tu vas regarder le replay, Azura. Qui m'étonnerait. Oui. Ouh, ne m'approprie pas tes louanges. Voilà, la pharmacie qui fait vraiment des gros poc. Ignis qui va bientôt avoir son ult. Oh, la hanche qui tombe sur la hanche. Oh là 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 là. Ah là, ils vont dérouler très facilement la reroll. Je pense qu'ils vont capter le point très facilement là. Et devra aller chercher la hanche. Ah non, il préfère attendre. Donc il est le Reinhardt. Le convoi approche de sa destination. 1m70. Oh là 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 là. L'ange qui tombe. Taille de ouh, brûle. L'ange qui revient. 1 cm près. Un centimètre, ça fait la différence. Eh oui. La Pharah qui tombe encore une fois. Oh là 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 là. Il va essayer de grab, je pense, pour mettre hors jeu. Et oui, c'est ce qui a été et fait, oui. Je le savais.
Ah là là là, la Pharax qui se fait mais découper. Ouh, le Reinhardt qui se fait boum. Le monsieur il a dit boum et il est tombé. Oh, il a réussi à boum le faucheur avec son uppercut. Oh, il boum à droite, il boum à gauche. Et moins 6. Ah, la Pharax qui se réveille. Rival qui va faire moins bien que Pure pour cap le troisième point, s'il y arrive. Et vous l'avez entendu, la frappe météor est prête à se déchaîner. Mais il n'y aura pas de Zariaton pour l'accompagner. Le faucheur qui prend les hauteurs. Le faucheur qui attend. Oh, je lui connais. Ouh, super. Ça va boop, je pense que ça va boop. Ou moins 2, ou le moins 2 qui fait mal. L'ange qui résiste, car elle est sous Valkyrie. Mais l'ange n'a plus de Valkyrie donc elle va tomber, je pense. Ou l'ulti de la Moira, ouh, dommage. Et le Doomfist qui dit non au faucheur. Non aux cheveux cassants. Non. Oh, meurs, meurs, meurs. Non. Et grâce à ça, il capte le point. Ne coupe rien, tout est taillé. Non, je pense que garde, je vais tout garder. Reste naturel et brut. Bon, restons sérieux, c'est un match. Qu'est-ce qu'il fait le chopper? Oh là là, bah oui, chopper, il meurt. Bah il meurt. Bah voilà, tu demandes. Il était AFK, il m'a semblé qu'il était AFK. Hein. Oh, le Doomfist qui se fait tous les tanks. Tous les tanks et il se fait toutes les chips. Oh, ah, et c'est la pause. Ah, évidemment, il dit qu'il se l'a vu, il était AFK. Là, c'est pas, on va dire que c'est pas le moment, mais il y a oui, rien, bien sûr. Rien de dramatique, tout va bien. Et ça reprend? Ah, ça reprend. Impeccable. C'était pour nos amis viewers, pour pas qu'ils s'inquiètent. Ouais, 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 non, pas de soucis. Et du coup, oui, ça va coûter le point à Pure. Ah bah, ça. Ça, c'était sûr, hein. Je pense qu'ils vont tenter un Zariaton Tracer. Pour tout simplement liquider l'équipe. Je sais pas si elle aura vite le Zarya. Elle est à 40%. S'ils se font éjecter du pelage. Oh, le cadet! Ou le moins 3, ou faut qu'ils aillent sur Payload.
Overtopsic qui tient. Overtopsic qui meurt. Et c'est fini. Ah, elle était quand même montée jusqu'à 90, mais. Ils se sont fait pousser avant. Donc potentiellement légalisation pour pur. Bah nous l'espérons pour la beauté du sport bien sûr. Ouais mais ça va faire une longue vidéo. Bon je crois qu'on en est à plus de 2 heures là. Even sera très triste parce qu'il n'a pas vu, mais il y a une âne qui jette des bonbons là. C'est vrai. Est-ce que tu penses qu'ils vont vraiment la garder? Ah oui, c'est pour débuff elle est en sûrement défense. La... C'est en défense. Ouais, pour débuff elle est déjà sur le banc en face. Ah oui, c'est vrai. J'avais pas fait gaffe. Je l'ai juste là. En fait. Et le Doomfist qui se cache. Doomfist qui va essayer de prendre la range. Ou peut-être le Genji. Ah non, la range. On va voir ce qu'il va faire. Non, le Lucio. Ouh, le Lucio. Il a pris un pont. C'est très bien ça de la part du Doomfist. Mais la range qui va immédiatement le reste. Ah non. La range qui reste. La range qui préfère reste le Reinhardt. Ah, la raison, d'accord. Ouais. Ah, mais la range qui va se faire prendre. Il n'y a pas d'ange donc des deux côtés. Donc là ça va être le talent. Ah il y a le Lucio encore en vie. L'objectif est à moi. Et la pure qui arrive à cap le point très facilement. Ouais, ils ont en pas le temps de revenir, 30-40 secondes. Non ils ont. Ils vont essayer de défendre son pont je pense. Oh ouais, là là déjà le Reinhardt. Ignis qui les attend là-bas. Le Reinhardt a eu beaucoup de chance. Car il a pas spawn à l'autre point tout au bout. Il est très très. Très très ouais, chanceux. De pas avoir le mauvais spawn, ouais. Ouais. Ça c'est oui. Horrible. Beaucoup à apprendre. Ah, une défense très haute hein, de la part de Rebol. Hein. Là, ça, ils peuvent rester sur l'arche pendant un moment, ouais, je pense. Graviton Blade. Graviton Blade. Ouais, ça va être ça. Ouh waouh. Oh ça découpe. Oui ça découpe. Ouh. Le soldat qui sort un très très bel ulti. Il y a la Moira au fond. S'ils arrivent à s'en débarrasser, je pense que celle-là est gagnée. Non c'est fini. Et c'est pur qui l'emporte. Ça fait 2-2. Deux partout. Vont-ils faire la dernière? Telle est la question. Ah, normalement, oui. Non, la blade de la fin. Ah ouais, c'est ça. Oui, la blade de la fin, bien sûr. Mais bon, après, il se fait découper, mais c'est pas très grave. Il a tenté de le tuer en one shot. Il aurait pas dû. Il aurait utilisé le reflect. Il l'avait. Je ne suis pas joueur de Genji, mais c'est logique quand même. Tu mets devant lui, tu reflect, c'est fini. Et là tu reçois que des dons. Ouais. En plus t'as même pas besoin de les déclarer les dons, ce qui est pas le plus mal. Bientôt faudra les déclarer.
les dons argent, faudra les déclarer. Mais les dons, je sais plus comment ils appellent ça. Oh, pas en argent, mais en la monnaie de Twitch. Je sais plus comment ça s'appelle. Allez, je sais pas non plus. Je vois même. Ouais, je vois ce que c'est. Ouais, bah, ça, t'auras pas besoin de déclarer. Voilà les bits. Et bah, ça, t'auras pas besoin de déclarer. C'est vraiment l'argent, l'argent pur. Ok. Et donc, t'avais raison. Il y a qu'une pharmacie du coup. Ah, qu'une pharmacie. Et toujours rien pour la counter. Même... Ah, si, il y a une diva. Mais qu'une diva. Donc, elle va passer sur le côté. Elle va poncer la range. Ouh, elle arrive pas. Non. Oh ouais, alors, la merci qui la raise de suite. C'est tué. Et Rivault qui s'en sort parfaitement bien. Et qu'ils ont totalement désynchronisé la Pharah, c'est très bien ça. Ouais. Le duo Winston Fauchard là, je pense que ça les aide pas mal. Ouais. Ah oui. Oui. Harry Wall. Et il y a déjà un ulti côté Moira. Moira sur l'ulti, bon. Très rapidement. Encore plus vite que celui de Sombra, je pense. Ah, c'est vrai qu'elle a vite monté, ouais. Ah, très très vite. Ouh, l'ange qui tombe. La Pharah va-t-elle tomber? La Pharah est très low, la Pharah qui tombe. Je ne pense pas qu'elle va se faire raise. Ah si, la Pharah qui se fait raise. Nazaria qui est chargé à bloc. Ah, qui est tombé. C'est dommage. Et Rewall qui me fait totalement mentir pour l'instant. Ah, ils arrivent. Ouh, la diva est très très haut. Hein. Ah, le mecha qui tombe. Je pense qu'ils vont tomber jusqu'à 99%. Hein. Ah oui. Ouais, oui. Tant qu'ils s'occuperont pas de la Pharah. Hein. Ah, le Doomfist qui arrive, tu as tué la Pharah. Oh là là. La pharmacie qui tombe. La Tracer, est-ce qu'elle va rester à tempo avant que son équipe revienne? Elle va coller. Ouh. Non. Ah la bombe qui fait rien. Mais le mecha qui prend 2 kills et le Lucio avec. Il reste que le Genji, il reste que la Pharah maintenant. Oh là 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 là. Le Doomfist aurait été meilleur. Counter Pharah. Doomfist Counter Pharah maintenant. Voilà, on le sait. Ah, c'est pas mal. Il n'a pas eu qu'une seule fois en plus. Hein. Non, il a eu 2 fois. Ah, changement côté Riven, une fin. Allez, c'est parti. La Pharah pique. La Pharah adverse en 2 roquettes. Ah, ça va être une bataille de Pharah. Ah oui, totalement. Bah, pour l'instant, c'est en faveur de pur. Hein. Ah, la Pharah qui s'est énervée. La Pharah s'est totalement énervée.
Ah, ils vont les chercher au spawn carrément. C'est que le deuxième, mais pour l'instant, aucun pic n'est pris des deux côtés. Ouh, le faucheur qui tombe. Ah oui, mais trop. Là, tu vas qui tombe, c'est très très mauvais ça. Oh là 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 là, ils sont totalement désorganisés. Ils savent plus quoi faire. Faut qu'ils se rassemblent, faut qu'ils prennent leur temps. C'est pas fini, ça fait que 35%, 37%. Ils ont le temps. Bah, c'est surtout qu'en début de match, justement, on se disait à Ekven que. Ils jouaient les Rewall, ils jouaient super groupés, ils faisaient pas d'individualisme, et là ils font l'inverse. Là c'est l'inverse. C'est dommage parce que je pense que le plus gros problème à Pure, c'est qu'il y a beaucoup de flanqueurs, donc les tanks et un heal, parce que très souvent la Ange reste avec un flanqueur, ils sont free quoi. Donc rester totalement paquet, c'est mieux. Oh, le singe qui prend le point. Ouais, ils ont réussi à libérer de l'espace. Le faucheur va-t-il rester en vie? Le faucheur reste en vie. Ah, non. 89%, c'est pas mal. 4 ulti côté pur, 0 ulti côté rewall. Bon, c'est pas cher de leur peau. 5 ulti et pratiquement celui de faucheur. Ouh. Voilà. Ils ont eu totalement raison de péter tous leurs ults. Il en reste encore deux. Ah. Oh, j'avais même pas vu qu'ils avaient pris un Macré. Il avait depuis le début? Non. Non, je ne crois pas. Bah non, au début c'était double Pharah. C'est juste que la Pharah s'était fait automatiquement tuer par l'autre Pharah. Donc je pense qu'il a dû switch à ce moment-là. Ok. Décidément, c'est deux équipes qui sont super. Enfin, ils sont vraiment au même niveau et ils ont vraiment envie de se battre autant l'un que l'autre, quoi. Vraiment, ce qui est bien, c'est qu'ils ne lâchent vraiment pas. Ils se disent c'est pas, ça. Il n'y en a pas oh, un bon, qui fatigue, quoi. On perd, c'est bon. C'est ça. Rien de continuer. Exactement. Jusqu'au bout, ça sera super arraché, je pense. Ouh, le boop. Oh, le boop. Battle de Pharah. Pharah qui touche. Dommage. La Pharah qui est très haut côté Rewall. Là, tu vas sur point et qui se fait punir automatiquement car il a sur point. Depuis le début, c'est la seule qui venait contester. Et le Macri qui switch et attaque ça aussi. Et le faucheur re-switch. Ah, il prend un soldat. Pas sûr que ça soit un bon pick pour la pharmacie. On verra si. Peut faire quelque chose. Ouh la diva. Ouh la diva qui avait encore son boost. L'uppercut qui l'emmène dans la. C'est fort ça quand même. Ouais, c'est en train de pousser. La diva qui a totalement annulé l'ulti. La Pharah, mais qui a quand même réussi à prendre le soldat. Les ennemis reviennent.
La reste des deux côtés. La double reste de la range de pur. Que ça va changer le team fight. Non, ça change pas le team fight. 58%, c'est pas mal. C'est très disputé. Oh, comment il a. Elle a éjecté la Zarya. Et je tiens à rappeler que Ven est toujours pas là. N'est toujours pas là, c'est ça. Il doit être en train de regarder le stream, hein, pareil. Bah, sachez qu'il est en train de faire kika. Pour les nouveaux viewers. Une vague de grand n'importe quoi des ultes de partout. C'est ça. Pure a réussi. Pure a réussi. Comme tout à l'heure sur Hollywood, c'était pareil. Voilà, c'est ça. Je ne savais pas quoi dire. Tout... Mon cerveau a bugué comme tout à l'heure. Et la diva qui s'enfonce d'un point. Barrage de la Pharah qui prend deux piques. Oh. Ouh, le boop. Le boop de la Pharah qui annule l'ulti du soldat. Très très bien. La Blade. La Blade. La Blade qui fait. Qui prend l'ange. Oh, je pense que c'est plié. C'est plié. Il reste que le Doomfist. Le Doomfist est mort. Ah, personne n'aura le temps de revenir. C'est fini. Voilà. Très 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 belle game. Oh ouais, c'était impressionnant. Vraiment. Action de la partie. Et encore et toujours POTG Pharah qui carry. Place au déluge de la justice. Voilà, ça c'est le boop. Le boop génial. Il était en ult quand même le soldat. Ouais, super bien pensé. 77% de participation. C'est pas mal quand même. Ah, c'est vraiment pas mal, hein.